Je suis si reconnaissant de pouvoir être ici. J'estime vos prières, vous avez entendu parler de l'accident que j'avais eu. Et cela montre simplement que Satan ne peut pas vous ôter jusqu'à ce que Dieu l'ait permis. Je pense que chacun de vous se demande, beaucoup se demandent ce qui s'est passé. J'avais toujours eu un amour particulier pour un loisir par lequel je peux me détendre. Je vais à la pêche, ou bien alors à l'exercice de tir, ou bien alors à la chasse. Et je suis reconnaissant pour cela et heureux. Car si je jouais par exemple au golf, j'aurais été là où les femmes sont à moitié nues. Si je jouais par exemple à la balle, ça aurait été la même chose. C'est peut-être la raison que je suis heureux et reconnaissant de pouvoir être tout à fait séparé de tout, loin dans la nature, pêcher et chasser, etc. J'ai toujours estimé ce pistolet de Wetherby et quelqu'un me l'aurait sûrement acheté, offert si je l'avais dit, si j'avais exprimé mon amour pour cela, mais je ne le voulais pas car cela est assez cher et je sais qu'il y a des missionnaires dans le champ qui n'ont même pas de chaussures. Au pied, je ne voulais pas que tant d'argent soit pris et donné pour un pistolet. Le frère Hart Wilson avait donné à Billy un revolver, un 17 Winchester, et Mr. Wetherby nous a fait savoir donc qu'il peut réorganiser, convertir donc cette arme et en faire un arbre à double canon. Et le frère Rodney vient ici à l'Assemblée, le frère Rodney Armstrong, et il voulait donc laisser convertir et réorganiser cette arme. Il l'a envoyé à la société et cela n'a pas été bien fait. Et la compagnie Winchester disait que la pression est élevée de 69 jusqu'à 100 bars. Et vous savez ce qui se passe avec une telle pression. Et donc j'ai tiré avec le revolver et seulement à un pouce de mon œil. Et avec cette pression, le revolver a explosé en morceaux dans toutes les directions. Et c'est ainsi que dans toutes les autres directions. Et à un même moment, j'ai vu qu'une flamme montait. Et je pensais que maintenant, c'est ma fin. Et je ne pouvais plus voir et entendre. Et le frère Woods était en train d'aller au poteau de cible pour voir si j'avais atteint le but. Et j'avais l'impression que j'avais été élevé dans l'air par ce choc. Et j'ai essayé donc d'attirer son attention. Et des grains de plomb. Cela s'est déposé sur mes yeux comme une couronne. Et cela était tout autour de mes yeux. Et ils étaient directement sur, donc autour de mes yeux, sur la paupille, sur ce qu'on appelle le sinus frontal. Et le médecin, Dr. Adiers, a pu sortir plusieurs grains de plomb. Mais quelques jours plus tard, moi-même, j'ai été transféré à l'hôpital. Il m'a donc envoyé à un spécialiste. Et à peu près 30 morceaux de grains de plomb étaient encore autour de mes yeux, directement autour de mes yeux, donc directement passé à côté de l'œil, donc c'est déposé sous la paupille autour de mon œil. Et cet homme a écrit à mon médecin et a dit, ce monsieur doit avoir eu avec lui son protecteur. Sinon, il aurait perdu la tête. Toute la tête. Vous voyez? Je ne sais pas comment est-ce que cela pouvait se passer. Ce grand pistolet a
a été projeté jusqu'au club de conversation et jusqu'à même l'endroit où se trouvent les biches. Vous voyez, cela montre simplement, et je vais une fois prêcher là-dessus, si le Seigneur le veut, qu'une réorganisation, une conversion d'un âme est juste, mais vous devez toujours le faire de manière, donc avec moins de pression, pour que la pression qui est émise, le puisse aussi la supporter. Ce qui serait mieux, c'est que l'âme puisse être laissée dans sa forme originale, sans être réorganisée. Il y a une femme maintenant qui parle à Frère Branham de la réunion. Bon, bien sûr qu'il y a des choses maintenant qui vont être dites, mais tant que je le sache, rien ne s'est passé, rien de grave. Bien sûr que je ressens encore à mon œil et aussi sur mes yeux en général. Mais même ici, le microphone a pour moi un écho. Mais le spécialiste disait que le tympan n'a même pas été atteint et n'est même pas enflé et infecté. Et je peux voir exactement comme j'avais vu auparavant. Et c'est ainsi que cette bague s'est déposée donc, autour de mon œil et de ces grains de plomb. Sûrement qu'il en restera encore pendant un certain temps autour de l'œil. Mais le frère Robertson me disait, ne t'inquiète pas, j'étais à la Deuxième Guerre mondiale et j'ai encore dans mon corps assez de restes de grains de plomb. Et je me rappelle à cette vision du Seigneur. Oh, l'amour, la nature pleine d'amour du Seigneur qui me disait ce matin, ne crains pas. Quoi que tu fasses, partout où tu vas, la présence infaillible de Jésus-Christ sera toujours avec toi, partout où tu vas. Satan ne peut pas me tuer jusqu'à que Dieu ait fini avec moi. Il va bien sûr essayer, mais il n'aura pas de réussite. Ensuite, quelque chose d'étrange, de particulier, j'ai donc continué avec les réunions. Et c'était seulement que il y a un œil qui en ce moment me rend les choses difficiles. Et le frère avec lequel je devais aller parmi les Indiens devait donc un peu repousser les réunions. Et pendant ce temps, le frère Arkenbrei m'a atteint, m'a appelé et il voulait que je puisse monter jusqu'à Anchorage, Alaska. La raison pour laquelle je prends les choses au sérieux, c'est que quand je vois une vision, vous savez, j'ai vu l'ours gris que j'ai chassé et cela est enregistré sur la cassette et j'avais le kérubou et ensuite j'ai vu un grand ours marron. Peut-être que ce sera un Kodiak, mais au Canada, il n'y a pas cette sorte d'ours. D'ours, où est-ce que ce sera, je ne sais pas. Je l'ai vu en vision, ce sera ainsi dit le Seigneur, et cela va s'accomplir. Je vous remercie de ce que vous priez pour moi. Beaucoup de vous, n'est-ce pas, ont pensé à moi dans la prière après qu'ils aient entendu ce qui m'est arrivé. Ma fille Rebecca a écrit à la sœur Dor et lui a expliqué ce qui s'est passé. Et aussi Meda l'a dit à plusieurs personnes. Mais tout un groupe, même un prédicateur pentecôtiste et le frère Brown, les parents là-bas, ont prié toute la nuit pour moi. Ils avaient entendu ce qui s'était passé et ils me disaient, Frère Branham a prié pour tant de personnes. Est-ce que nous ne voulons pas maintenant aussi prier pour lui? Ça, c'est la prière que Dieu exauce. Le frère Chris, l'un de nos frères, Satan, n'est-ce pas, voulait lui rendre les choses difficiles. Et il a eu un accident. Il est à l'hôpital.
Et il y a un frère qui vient de New Albany, le frère Mid Cave. Et il disait, frère Chris, je ne suis pas digne de prier pour toi, mais le Seigneur l'a mis dans mon cœur. Et le frère Chris a été guéri là, à l'hôpital. Vous voyez, c'est le don de la guérison dans le corps du Christ. Un membre pour l'autre. Nous nous servons les uns les autres. Car ne pensez pas que vous êtes seulement comme ça, un laïc ou bien quelqu'un qui ne sert à rien. Non, vous êtes membre. Et mes oreilles, mes yeux, tout ce qui est dans mon corps appartient à mon corps. Chaque membre appartient à mon corps. Et si un membre souffre, alors tout le corps souffre. C'est une communion. C'est une communion bénie. Et c'est... Donc après cela, donc j'ai eu, n'est-ce pas, j'ai promis plusieurs réunions. Et alors je reviendrai ici au tabernacle, si le Seigneur le veut, le prochain dimanche matin, si le Seigneur le veut, si Dieu le veut, je veux parler du sujet, le chemin des prophètes. Et le dimanche, je serai dans le tabernacle gospel, appelé gospel, avec le frère Rod Rodder. Et là-bas, je parlerai du sujet, laisser la pression, si le Seigneur le veut. Et mardi, nous allons ensuite aller à Wilkinson, à la conférence des hommes du plein évangile, des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile. Billy, quel est le nom de la ville? C'est Green Lake Wilkinson. Et là-bas, jeudi et vendredi et samedi, nous y serons. Le 17, le 18 et le 19. Là-bas, à Glenlyn Wilkinson, à la conférence de la région. Et dimanche, je serai donc à Chicago, dans la salle de l'école supérieure. Vous savez, j'avais été déjà là-bas. Quel est le nom de cet endroit? Stephen Mata. Appelle donc Stephen Mata Auditorium. De là-bas, donc, je dois aller à la conférence. Vous savez que autrefois j'avais eu cette vision, alors que l'Union des prédicateurs à Chicago s'était rassemblée et que le Seigneur m'avait montré qui allait venir, où est-ce qu'ils allaient s'asseoir pendant la réunion, comment est-ce qu'ils allaient s'habiller, etc. C'était autrefois où le frère Joseph Mosé, qui de nouveau revient, et c'est-à-dire pour dire au revoir, maintenant lundi. Et de là-bas, je vais ensuite continuer vers le nord de la Caroline et ensuite en Colombie, au sud de la Caroline. Et ensuite, je partirai au Cao Palace, au Palais Cao, à la côte de l'ouest. Et ensuite, par Spokane, j'irai au Canada et ensuite j'irai en Alaska. Priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Et nous est enseigné dans les Écritures que toutes choses servent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que pendant que je vois la fidélité des hommes, quelqu'un me disait ou bien me demandait comment est-ce que cela peut se passer. Vous voyez, j'aurais pu aller et traverser la route et perdre ma vie et perdre la vie. Mais il avait quelque chose pour moi. L'Écriture ne peut pas donc faillir. Tout sert au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je connais mon cœur, alors je sais que j'aime le Seigneur. Et cela de tout mon cœur. Et cela nous unit aussi les uns les autres. Bon, pensez à cela. Tous ceux qui ont appris cela ne peuvent pas comprendre comment est-ce que je peux encore avoir la tête entre les épaules. Vous voyez, c'était si proche. J'ai visé et j'ai tiré. Et cela a explosé dans ma main. Vous voyez, plus rien du revolver est resté. Tout a volé dans toutes les directions. Vous voyez, il faut vraiment seulement l'avoir vu. Il n'y a plus de pistolet qui existe. Il n'y a seulement que des petits morceaux ici et là. Mais directement à moi, rien n'est arrivé.
loué et exalté soit le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Et ça suffisait. Alors Eddie m'a mis au courant que je n'ai plus besoin de venir. C'est une grâce, n'est-ce pas, étonnante, qui a sauvé un misérable comme moi. Bon, cela nous montre que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Comme nous sommes reconnaissants de cela, pour cela. Bon, j'ai déjà annoncé, et ici il y a un bien-aimé frère, comme la sœur Wood déjà l'avait dit, et le frère Neville et le frère Billy m'ont appelé et me disaient, tu dois écouter son message. Et j'avais quelque chose comme, j'avais des difficultés, mes yeux ont été rincés. Mais ce soir, je pensais que malgré tout, je viendrais. Et il avait déjà eu une grande réunion et sa voix est enrouée. Et c'est pour cette raison que je me suis noté quelques versets bibliques, quelques versets, et je pensais que je viens simplement car je veux prendre part au souper du Seigneur et avoir communion avec vous. Comme déjà dit, mon œil est encore un peu donc handicapé, mais ce n'est pas grave. Alors, ici, il y a des amis et des parents de mon vieux bien-aimé frère et ami, le frère S.S. Oxborn, qui est déjà dans la gloire. Que Dieu vous bénisse tous. Pensez à ça. Mercredi soir, nous aurons la réunion de prière. Nous avons la réunion de prière. Et le jeudi soir, nous serons sur le frère Jackson. Et ensuite, sur le frère Ruddles. Et ensuite, de nouveau, dans le tabernacle à Utica. Et dimanche, nous serons de nouveau ici, le matin, pour une réunion principale. Dimanche matin, je vais être chez le frère Roberts. Je voulais mercredi soir être déjà là-bas, mais cela n'est pas possible. Et ici, ceux du tabernacle, s'il vous plaît, restez ici. Même quand j'irai là-bas au frère Rolls, vous restez ici et que je parlerai là-bas dans la réunion. Ici est votre obligation. Restez ici dans l'église, bien sûr. Nous allons là-bas, nous, et nous espérons avoir un bon temps avec les frères là-bas. Mais vous priez ici pour nous. Nous faisons confiance que le Seigneur nous rencontrera maintenant, avant le souper du Seigneur. Et pendant que maintenant, nous entrons dans la parole, le frère Neville parle avec le frère Branham maintenant. Oh oui, il y aura un enterrement, et c'est-à-dire dans la famille de notre frère Carnel. Il prêche et il est aussi en partie pasteur. Et sa bien-aimée mère, qui était déjà avec les cheveux blancs, a été reprise à la maison. Et l'enterrement aura lieu à Edmonton, au Kentucky. Nous voulons en fait apporter donc des couronnes et des fleurs, mais ce n'était pas possible. Nous avons maintenant appelé et nous allons les commander pour que cela soit amené à l'endroit. C'était un peu difficile, mais nous voulions exprimer donc nos condoléances et notre affection au frère Carnel. Il s'agissait de sa mère et particulièrement la sœur Pence. Sont passées par donc les ombres des soucis, bien sûr. Bon, nous voulons courber les têtes dans sa présence pour la prière. Je voudrais que vous puissiez prier pour moi. C'est difficile ce soir. Ici, je ne peux pas bien voir, quoique mes yeux sont en ordre. Mais vous savez, on m'a mis un liquide dans les yeux et c'est un peu encore flou et cela
va durer encore une semaine ou bien alors 10 jours, jusqu'à que tout soit en ordre. Bien sûr, je sais que vous priez pour moi. Est-ce que je peux voir vos mains, tous ceux qui ont une requête que vous voulez apporter au Seigneur, pendant que nous sommes réunis dans le recueillement et que nous nous prosternons devant lui? Notre Père Céleste, nous te remercions de ce que nous pouvons nous réunir. C'est la volonté de Dieu. C'est toi qui l'as choisi ainsi. Et que nous pouvons venir à la réunion et prendre part au culte et aux réunions. Et cela régulièrement. Aussi longtemps que nous voyons ton retour se rapprocher. Et nous rapprocher de toi et aussi être rapprochés des uns des autres dans le lien de la communion par le sang versé de Jésus-Christ. Cela est devenu possible. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, tellement reconnaissants, Seigneur. Aujourd'hui, j'étais jamais si reconnaissant, Seigneur, de pouvoir être ici et de te remercier. Je suis si reconnaissant. Je ne peux pas trouver les mots pour l'exprimer comme je suis reconnaissant de ce que je peux avoir la vue et que je peux encore entendre et être encore parmi les vivants et avec l'évangile et continuer le service, oh, comme je l'estime. C'était si proche. Beaucoup qui avaient de la compréhension s'attrapent la tête et disent, mais comment est-ce que cela est possible qu'ils vivent encore? Oh Dieu, c'était ta main. Je me prosterne devant toi. Je prosterne ma tête devant toi. C'est toi qui as été avec ton serviteur. Je te demande, Père, en ce que je te consacre d'une manière nouvelle ma vie pour le ministère, pour te servir, et j'aurai dans ma vie pas être plus dans ma vie, de toute ma vie, j'ai pas été si proche de la mort que là-bas. Je suis si reconnaissant. Je te prie pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Tous ont des requêtes. Et beaucoup ont aussi des requêtes de reconnaissance. La plupart d'eux ont des reconnaissances, des actions de grâce dans leur cœur. Bon, nous venons ce soir et nous sommes rassemblés pour cet objectif bien précis, particulier, pour, n'est-ce pas ainsi, prendre la communion, comme on le dit. Mais ça, en fait, c'est le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. La communion signifie parler les uns avec les autres et avoir communion. Nous parlons avec notre Seigneur, nous avons communion avec lui et nous attendons son retour et nous attendons aussi sa réponse à nos questions. C'est ainsi, Père, nous te demandons que tu puisses toi-même parler avec nous par la parole écrite. Accorde-nous quelque chose dans nos cœurs, que tu puisses nous donner d'être stable, d'être équilibré pour le voyage. Accorde-nous un nouveau courage et bénis notre pasteur ici, notre bien-aimé frère, ton serviteur, Seigneur, et sa femme, et toute la famille, les diacres, les frères responsables de la direction, et les anciens, et tous ceux dans l'église. Oh Dieu, que tu puisses nous rapprocher plus proche de toi, nous amener plus proche, et que cela soit comme le prophète disait, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Oh, notre communion en tant que personnes qui ont les mêmes sentiments. C'est déjà comme ce sera dans le ciel, au ciel, dans la gloire. Bénis-nous, Seigneur. Accorde-nous ces choses. Oh, bénis tous ceux qui t'adorent. Et brise-nous le pain de la vie pendant que nous nous attendons à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils. Amen. Nun, viele Menschen schreiben sich die Stellen auf. Bon, il y a beaucoup de personnes qui s'écrivent les versets et se notent les versets bibliques qu'un prédicateur lit. Et cet après-midi, j'étais avec le frère et la sœur Ruth. Nous étions allés chercher et visiter notre frère Gobelson qui était dans sa salle d'exposition et nous sommes revenus et la sœur Wood me disait quel message merveilleux notre pasteur ce matin nous a apporté et je pensais peut-être que sa voix est enrouée maintenant et
Je pensais que nous allions donc nous partager le temps et demander peut-être. Et alors, il m'a. Et peut-être qu'il me demanderait si je veux dire quelque chose, si j'ai quelque chose à dire, et alors je pourrais aussi le faire. Alors, nous voulons maintenant aller dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 7. Et ensuite, de la même manière, dans Genèse 14, 18 et 19, pour justement de ce texte en tirer une comparaison. Maintenant, nous lisons dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 7. Par la parole de vérité, dans la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Donc dans Genèse, le chapitre 14, 18 et 19. Genèse chapitre 14, verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Donc chapitre 14, verset 18. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Créateur, maître, possesseur. Si je peux utiliser cela comme sujet et choisir le texte, le sujet, donc ce serait en possession de toutes choses, tel que ici dans Corinthiens, cela a été dit, possédons toutes choses, quoique nous sommes pauvres, en possession de toutes choses. Bon, j'aime cela. Dans la Genèse, le premier livre de Moïse, nous lisons concernant Abraham et aussi concernant ce grand personnage, Melchisédek, qui était le maître, le possesseur, le propriétaire du ciel et de la terre, comme il est dit ici. Et ensuite, il était le maître de toutes choses. En fait, possesseur du ciel et de la terre, cela signifie possesseur de tout. Et nous connaissons l'histoire d'Abraham. Nous savons ce qui s'est passé. Il a été appelé et cela ça avait été justement son obligation de suivre l'appel, de répondre à l'appel. Il est sorti et il a été pris du pays des Chaldiens, de Ur, avec son père et ses parents, là-bas dans la vallée de Sinéar, probablement que c'était une vallée féconde. Et Abraham, tel que nous le comprenons, n'était pas quelque chose de particulier devant le monde. Il n'était pas roi, il n'était pas un monarque, il n'était pas comme ça une grande personne, il était seulement quelqu'un d'ordinaire. Il avait marié sa sœur à moitié, Sarah, sa demi-sœur donc, et sûrement qu'il a marié alors qu'elle était jeune. Et Dieu, à l'âge de 75 ans, l'a appelé au ministère. Et il a aussi inclus sa femme. De la même manière aussi, nous pouvons ici commencer. Nous pouvons commencer ici. Je crois que quand Dieu appelle un homme au ministère, s'il est marié, c'est ainsi que
sa femme qui est son aide, il appellera aussi, car les deux sont un. Vous voyez? Et plus tard, nous constatons que, si c'était possible, Dieu aurait ôté la vie de Sarah, parce que 25 ans plus tard, elle avait douté au message de l'ange, alors que Abraham autrefois était assis sous cet arbre. Vous voyez, sous le chêne. Vous voyez, l'ange avait dit à Abraham qu'elle deviendra mère. Et Sarah a ri en elle et pensait, comment est-ce que à moi qui ai 90 ans et mon mari 100 ans, son sein était déjà desséché et lui, il était presque comme mort. Comment est-ce qu'ils auraient pu avoir des rapports comme de jeunes personnes? Et elle a ri en elle-même. Et l'ange, avec le dos tourné à la tente, a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Et elle l'a renié. Cela signifiait dire en face de Dieu qu'il est faux et ne dit pas la vérité. Et sa vie était en jeu. Mais Dieu ne peut pas ôter la vie de Sarah parce qu'elle était une partie d'Abraham. Vous voyez? Et elle était mariée avec lui, en alliance avec lui et vivait avec lui. Il ne pouvait pas ôter la vie d'Abraham et donc ôter la vie de Sarah sans ôter la vie d'Abraham parce qu'ils étaient un. Ça, c'est une image merveilleuse rapportée à nous aujourd'hui. Nous sommes dignes d'aller dans la mort. Nous avons mérité la mort, mais devant lui, nous sommes devant lui. Il ne peut pas nous ôter la vie parce que nous sommes une partie de Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu. Car nous sommes en communion avec Christ, nous vivons en relation avec lui. Et que cela n'est pas merveilleux? C'est une pensée merveilleuse. Unis avec Christ. C'est pour cette raison que quand nous péchons, nous le confessons très rapidement que nous avons agi de manière pas correcte. Car Dieu ôtera notre vie, mais le sang répond à notre place. Et Dieu ne peut pas donc mépriser le sang. Il a donné la promesse. Il ne peut pas briser sa propre parole. Dieu lui-même s'est mis dans l'obligation. Et il a fait des promesses. Et par son sang, il a accordé la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle. Nous constatons que Abraham, dans l'obéissance, a quitté son pays, a quitté sa maison, Ur Chaldée, s'est séparé de tout ce qu'il possédait terrestrement. Et il a entrepris son voyage dans un pays étranger inconnu pour être là-bas, un type de l'Église. Nous aussi, nous devons abandonner tout ce monde pour suivre Christ. Nous constatons que Abraham a obéi à l'appel de manière et était obéissant. Année pour année, il était obéissant. Et il a pris une partie avec lui, son père, qui ensuite mourut. Et ensuite, son neveu Lot. Et Lot, ensuite, à cause de disputes et de querelles, s'était séparé d'Abraham et habitait à Sodome, mais était une partie d'Abraham aussi. Et Dieu a donc donné à Abraham et tout ce qui était dans le pays à Abraham. Abraham était l'héritier de tout. Dieu a parlé à Abraham et a dit, regarde à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. Tout t'appartient et à ta descendance après toi et ta semence. Tout t'appartient. Donc, un jour, Abraham avait des difficultés et Lot, lui, avait la vie facile. Et Lot avait la vie facile. Il vivait au milieu du péché comme c'est facile. Et comme le péché semble agréable et innocent. Oh, Lot pensait, si je crois en Dieu, pourquoi est-ce que je ne peux pas être ici à Sodome? Ça, c'est en ordre. Je crois, mais ce n'était pas en ordre. Vous voyez,
Alors que Dieu appela Abraham, il avait appelé à se séparer de tout. Et vraiment de tout. Et ça, nous devons aussi le faire. Dieu nous a appelés à une séparation totale du péché. Sortez du milieu de mon peuple, n'ayez pas de part avec eux dans le péché et dans le monde. Évitez tout ce qui n'est pas juste et correct devant Dieu. Séparez-vous et éloignez-vous de tout. N'allez pas sur le sol des choses qui se passent et qui ne sont pas correctes. Vous pourrez peut-être penser, c'est ici, frère Branham, parfois je suis tenté à voler, à fumer, et parfois des femmes pensent que je les attaque par la prédication à cause de leurs vêtements, à cause de leurs vêtements immoraux. Et des jeunes dames et sont éprouvées et tentées. Et vous pensez que ce n'est pas si grave. Et qu'est-ce qui se passe avec nous que nous tenons ici? Nous devrions observer tout mouvement, toute notre conduite. Et vous pensez que pour nous c'est facile. Étant dans le ministère, nous devons faire attention à nous, à toute notre conduite et à notre vie, à tout ce que nous faisons. Et nous devons aussi rendre compte pour vos âmes. Nous devons rendre compte pour tous. Pour tous ceux à qui nous parlons, nous apportons la parole, nous prêchons. Nous devons rendre compte devant Dieu pour tous. Vous voyez, Satan est toujours derrière nous. Et par exemple, il y a une femme qui dit, est-ce que cela n'est pas un beau vêtement? Est-ce que ce ne serait pas agréable? Vous savez que c'est... Que ce vêtement n'est pas décent, n'est pas bon. Mais comment est-ce que cela fait avec un prédicateur? On lui dit, hein, tu devrais aller là-bas, tu dois aller là-bas. On t'invite ici et là et partout. Tu reçois des invitations. Vous voyez, vous devez attendre que ce soit Dieu qui vous envoie, même si vous recevez des invitations. Ici, il est dit, viens ici, va là-bas. Est-ce que tu pourrais venir ici, prêcher, etc. Vous devez faire attention et être attentif. Vous voyez, C'est tellement déchirant. Vous devez être attentif. Vous, femmes, vous devez être attentif. Chacun de nous, nous devons être attentif. Abraham devait faire attention. Il n'est pas allé comme ça à Sodome avec Lot. Non. Il s'est séparé. Et il est allé dans le désert. Et il a choisi le chemin le plus difficile. Avec ceux qui servaient déjà le Seigneur et qui le suivaient et qui étaient méprisés. Ça, c'était sa disposition. Prenez le chemin avec le peuple de Dieu, le chemin méprisé, le chemin. Soyez prêts en tout temps à suivre le chemin du Seigneur, là où il vous appelle. Vous voyez, après que cela se soit passé, il y a un roi qui est arrivé, qui entreprenait une guerre et est arrivé dans la vallée et il a donc vaincu tous les différents empires, et il est arrivé même à Sodome, et c'est-à-dire à Sodome et à Gomorre. Là-bas, il y avait Lot, n'est-ce pas, le neveu d'Abraham, sa femme, sa fille, ses filles, etc., et tout ce qu'il possédait. Et tout a été apporté en captivité. Oh, quelle chose terrible! C'est ainsi que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, sans doute, Lot était quelqu'un de bien vu, qui avait une réputation, habillé comme ça en vêtements précieux et tout, et sûrement que sa femme et ses filles, tous, qui étaient en danger d'être violés alors que toute la région avait été rendue captive et apportée en captivité. Lot et toute sa maison avait été rendue captive. Et apporté en captivité. Mais quand Abraham a constaté que Lot était en danger et avait été déporté, car Lot était une partie de ce que Abraham possédait. Et Abraham a dit, tu m'as dit, c'est ainsi que Abraham a dit
à Dieu, si je crois et que j'obéis, que tu as dit que tu me donneras ce pays-là, il m'appartient à moi et à ma descendance. Et Lot est une partie de ma descendance, de tout ce qui m'appartient. Et donc, j'irai le délivrer. Et c'est ainsi que dans la foi, Abraham a convoqué ses serviteurs. Il les a pris avec lui et ils sont allés et ils ont poursuivi ce roi, ces rois. Ce roi avait une grande armée. Il avait vaincu des empires. Mais ici, sous la conduite, Abraham était sous la conduite de Dieu. Le général de l'armée. C'est ainsi que Abraham avec ses serviteurs sont allés derrière l'armée de ce roi. Et ils ont de nouveau délivré tous ceux qui avaient été rendus captifs. Et ils les ont ramenés dans leur pays. Oh, quelle image de Christ nous voyons ici dans Abraham. Il est allé après l'adversaire. Et il a rendu captifs les captifs. Et il les a restitués, il les a ramenés. C'est ce que Christ a fait avec nous. Bon, dans cette grande histoire d'Abraham, nous constatons que Abraham, alors qu'il revint et qu'il avait reçu la victoire, et qu'ensuite, c'est ainsi qu'il a rencontré le Créateur, le Maître du ciel et de la terre, Melchisédek, le roi de Jérusalem, le roi de Salem. Vous voyez, et c'est ainsi qu'il est dit roi de justice, roi de paix. Il n'avait ni commencement de jour, ni fin de jour. Il n'a ni père, ni mère. Il était le Dieu Tout-Puissant. C'est lui que Abraham a rencontré sur le chemin après la victoire sur les rois. C'est ainsi qu'il a rencontré le Maître du ciel et de la terre, lui à qui tout appartient. Abraham l'a rencontré sur son chemin. Oh, quelle chose merveilleuse ici. Bon, Abraham, cela me plaît. Abraham était l'héritier de tout selon la promesse. Il pouvait revendiquer tout ce qui était dans le pays. Et même le pays lui-même. Vous voyez, pas seulement tout ce qui était dans le pays, mais le pays lui-même. C'est ainsi que Abraham avait été accordé cette promesse. C'est ainsi que nous comprenons que Abraham était le plus pauvre, en fait, dans le pays, qui vivait dans le désert, qui vivait en paix avec Dieu et dans des tentes, et Lot était riche. Lot vivait dans la ville et il est devenu quelque chose comme un gouverneur, un sénateur. Il était assis, n'est-ce pas, à la porte de la ville en tant que juge et magistrat. Et il avait de la richesse. Mais Abraham était dans le désert. Et peut-être qu'il était le plus pauvre du pays, de la région, mais malgré tout, il pouvait prétendre posséder toutes choses. Amen. Ça, j'aime cela. Oh, aujourd'hui, ce soir, nous pourrions être pauvres en bien de ce monde, mais nous possédons toutes choses. L'Église elle-même est en possession de toutes choses. Quoique pauvre, malgré riche, malgré cela riche, et en possession de toutes choses. Oh, j'aime cela. Vous voyez, c'est une réalité telle que cela est dit dans ce vieux cantique. Mon père est riche en maison et pays. À lui appartient toutes les richesses du monde. Il les a entre ses mains. Le diamant et les rubens, l'argent et l'or, tout lui appartient. Richesse sur richesse, insondable et inestimable. Et nous sommes héritiers du roi. Nous sommes enfants du roi. L'enfant est toujours héritier. L'enfant est toujours héritier. Donc nous voyons que Abraham pouvait entrer en possession de ce qui lui appartenait. Mais maintenant, il était encore pauvre. Son bétail mourut. Et il y avait eu des difficultés pour recevoir de l'eau. Le climat était chaud.
et les bergers étaient en difficulté. Il y avait une mauvaise alimentation d'eau et tout semblait aller de travers pour Abraham. Mais malgré tout, il possédait tout. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose avec les véritables croyants. Ils, de partout, on les met dehors. On les désigne de fanatiques ou bien jouant un rôle de saint. Et on leur attribue certains noms méprisants et pour les insulter. Mais malgré tout, ils sont héritiers du ciel et de la terre. Bénis, heureux les hommes de cœur, les doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Oh, comme c'est merveilleux. On est mis dehors. On est rejeté. On habite dans une maison en bois. Mais malgré tout, tout nous appartient. Amen. Vous devez travailler. Vous êtes en sueur pour recevoir quelques dollars. Pour conduire, pour avoir une vie sérieuse et honnête. Pour nourrir vos enfants et leur accorder des vêtements et des souliers. Et malgré tout, en possession de toutes choses. Car les doux, les débonnaires, les humbles hériteront la terre. Ils sont déjà ceux qui la possèdent. Oh, comme c'est merveilleux. En possession de tout. Même de la terre. Qui Les véritables croyants. Le véritable croyant a déjà le contrat d'achat entre ses mains. Et c'est ainsi que nous entrerons en possession de tout l'univers par Jésus-Christ. Les humbles, les doux hériteront la terre. Abraham était en possession du pays. Le pays lui appartenait. Et Dieu lui l'a donné. Et Lot était une partie de ce pays. Et donc Abraham pouvait revendiquer Lot. Il pouvait dire, oh Dieu, tu m'as donné la promesse. Et c'est-à-dire pour le pays et pour tout ce qui se trouve dans ce pays. Cela m'appartient. C'est ainsi que tu m'as donné la promesse. Et maintenant, mon parent a été pris en captivité avec tout ce qu'il avait. Avec d'autres paroles, faisant rapport au jour d'aujourd'hui. L'Église peut dire, Seigneur mon Dieu, ici est mon frère qui est allongé ici, qui a le cancer, qui a la tuberculose, qui a ceci et qui a cela. Je revendique selon la promesse, mon frère, il m'appartient. Tu me l'as dit, amen. C'est ainsi. Et c'est ainsi que vous pouvez poursuivre l'adversaire, ce diable, et lui donner un coup avec la parole, comme Abraham l'a fait, et a détruit donc les rois, et a restitué tous les biens de Lot et de Lot lui-même. Cela appartient aux croyants aujourd'hui. C'est la position qu'il peut prendre et qu'il doit prendre. Abraham avait le droit sur la promesse. La promesse était pour lui, mais malgré tout, il devait combattre pour entrer en possession de ce qui lui avait été promis. Le croyant aujourd'hui, quoique il est héritier de tout, héritier de chaque don et bénédiction spirituelle, héritier de tout ce que Dieu a promis aussi pour notre corps physique et est témoigné dans la Bible. Et malgré tout, vous devez combattre pour chaque portion du pays. C'est ainsi que Dieu l'a fait. C'est ainsi que c'était toujours. Vous devez combattre pour le posséder, pour posséder ce qui vous appartient déjà. Vous devez combattre pour entrer en possession de ce qui vous appartient. Cela se passe maintenant. Vous dites, mes frères Branham, j'ai besoin de guérison. La promesse t'appartient déjà, vous appartient déjà. Si vous recevez la promesse, ce ne sera pas facile. Non, vous devez donc le revendiquer de Satan. Il vous a ôté et il a rendu captif votre santé. Vous avez le droit de dire, Satan, restitue-moi ma santé. Ôte cela de ta main. Je viens contre toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, le maître du ciel et de la terre. Je suis héritier. Restitue. Tu as pris mon fils, mon enfant. Ça a été mélangé avec un jeune garçon du monde et ma fille avec un et mon fils avec une jeune fille du monde. Je revendique mes enfants
et aussi mes frères et aussi mes sœurs. Oui, Satan, tu les as ôtés de la maison de Dieu. Tu les as ensorcelés dans les choses du monde. Je viens pour les revendiquer. Car je suis l'héritier de tout. Cela m'a été accordé et promis. Je suis héritier. J'ai le droit de posséder tout ce que Dieu a promis. Amen. Bon. Comment est-ce que vous le recevez? C'est une grâce qu'on ne mérite pas. Un don de Dieu gratuit. Vous voyez, Satan ne peut pas encore pour toujours le retenir. Non. Vous prenez l'autorité questionnant les Écritures, dans la parole de Dieu, dans la foi, l'autorité de la parole de Dieu questionnant les Écritures, dans la foi, et vous dites, cela m'appartient. Amen. Glorie. Ça, je l'aime. J'aime ça. Satan, restitue-le. Redonne ça. Restitue-le. Car je te laisse savoir que j'ai ici la parole de Dieu écrite. Le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas. Je viens contre toi et je te laisse savoir avec cette parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Jésus-Christ a dit, demandez au Père ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jésus l'a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi, c'est ainsi que ça aura lieu. Satan, restitue tout. Vous voyez, et il doit le faire et il doit s'enfuir. Réclamer ces choses. Et nous venons avec l'autorité questionnant les Écritures en tant que croyants. Est-ce que vous avez avez-vous compris cela? Oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que Abraham devait faire pour expérimenter cela? Il devait placer sa foi dans ces choses et dans le fondement de ce rocher qui est ébranlable de la parole de promesse. Peut-être que vous avez. Peut-être qu'il avait seulement 12 serviteurs et de l'autre côté, il y avait des milliers de soldats armés et ceux d'Abraham étaient des serviteurs. C'était des bergers, c'était pas des soldats. C'était des fermiers, des laboureurs. Peut-être qu'ils ont eu quelques couteaux comme ça, tranchants, c'est tout. Mais Abraham, pour lui, il ne s'agissait pas de boucliers ou bien d'armes. Sa foi était placée dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que c'est par la parole de Dieu que cela s'est accompli. Vous demandez, mais comment est-ce que cela doit s'accomplir? Comment est-ce que je vais combattre? Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est seulement de placer ma foi dans ce que Dieu a dit. Amen. Lui, il prendra soin pour le reste. Bien sûr. Et ensuite, avec la maladie, c'est comme terminé et fini, réglé. Car si le péché, si le pécheur peut comprendre cela, qu'il n'a plus besoin de pécher. Il y en a qui pêchent parce qu'ils doivent pécher. Ça, c'est un état terrible. Mais si vous reconnaissez que vous n'avez pas besoin de pécher et plus besoin de pécher, il y en a qui maudissent, qui insultent, qui se mettent en colère, qui fument, qui se moquent. Ça, ce sont des pécheurs qui le font volontiers. Pour eux, il n'y a plus d'espérance. Mais si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il ment, il vole, mais il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Vous voyez, il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas être un pécheur. Pour lui, il y a de l'espérance. Si vous pouviez lui laisser voir la vérité, alors il reviendrait à la promesse de Dieu. Et c'est ainsi que vous placez votre position dans cette promesse de Dieu et cela va s'accomplir. Cela vous appartient déjà. Vous voyez? Bon, regardons la chose plus proche. Là-bas, voilà Abraham, l'héritier de tout. Tout lui appartient. Tout le pays lui appartient. Car Dieu lui avait donné le. Mais je ne le possède pas encore. Mais j'ai la promesse. Elle m'appartient. Le pays m'appartient déjà. Bon. Nous sommes héritiers de toutes choses. Est-ce que cela est vrai? Nous sommes héritiers de toutes choses. C'est ainsi que la Bible dit. Nous sommes héritiers de toutes choses. Tout nous appartient. Nous ne le possédons pas encore. Et malgré tout, cela nous appartient déjà. Amen. Oh gloire.
Je ne possède pas encore une petite portion du pays, mais le pays m'appartient malgré tout, entièrement. Il nous appartient, il appartient au peuple, à l'église, aux croyants, à l'église épouse de Christ. Elle possède tout. L'Allemagne combat, les États-Unis combattent, tous combattent. Et ensuite, il nous désigne de fous quand nous nous combattons, vous voyez? Mais nous nous combattons pour la foi. Et malgré tout, quand il y a un combat qui a lieu ici et là, nous, nous savons que nous sommes unis dans le Seigneur. Et même si nous ne le possédons pas encore, cela nous appartient malgré tout, déjà. Oh, qui aurait pensé que cet homme là-bas possédait tout. Toute Israël lui appartenait. Tout Israël. Vous voyez. Et quand le compte à rebours alors arrive, Dieu, lui, il a prouvé qu'il est avec Abraham. Abraham a pris seulement qu'une poignée de personnes. Et il a vaincu toute cette armée puissante. Et il a ramené tout ce qu'ils avaient apporté en captivité. Ça, je l'aime. Il a placé sa foi dans le rocher de la parole de la promesse de Dieu. Vous voyez, pas d'organisation. Non. Mais il a placé sa foi dans les promesses de Dieu. Il a ancré en elle. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. À cause des promesses, sur la base des promesses, il est allé dans le combat. Oui, qu'il ait une grande armure ou pas. Une grande armée ou pas. Quoi qu'il arrive, sa foi était ancrée dans la promesse. Et quand vous venez à la prière, et que vous avez besoin de salut et de guérison divine, quoi que ce soit, si vous pouvez que croire, alors vous êtes héritier de chaque promesse. Oh, que votre foi soit ancrée dans la promesse et allez de l'avant et dites à Satan, restitue, lâche, restitue tout, cela m'appartient. Ne vous laissez pas tromper par l'adversaire. Non. Restez ferme. Et il doit restituer. Et il se retire. Dieu l'a dit. C'est votre autorité. Ma parole est votre autorité. C'est vrai. Héritier de tout. Il s'est tenu sur ce fondement de la parole promise. Il était l'héritier. Il savait qu'il était héritier. L'héritier de tout. Et après que la promesse lui avait été confirmée, alors, il avait communion avec celui qui avait donné la promesse. Ça, je l'aime. Oh, ça, j'aime. Après que Dieu ait donné la promesse, vous voyez. Et ensuite, Abraham avait auparavant même pas eu encore, n'est-ce pas, des preuves et des tests de la sorte. Il savait que tout lui appartenait. Mais seulement en tant que promesse. Il ne connaissait pas encore cela dans la réalité. Vous voyez. Il n'était pas un homme entraîné pour combattre. Il était lui-même un fermier. Abraham ne pouvait rien faire. Il n'était pas un soldat. Ces hommes n'étaient pas des soldats. Ils étaient des bergers, des fermiers, vous voyez. Mais il a reçu et tenu la promesse de Dieu par la foi qui était ancrée en elle. Et c'est ainsi qu'il est allé dans le combat. Il les a poursuivis. Vous voyez? Et ensuite, il a vu cette promesse que Dieu lui avait confirmée. Et dans son accomplissement, et il savait que Dieu confirme sa parole. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit et que vous ne connaissez rien de cela, et que dans votre cœur vous dites, je voudrais le recevoir, alors restez dans la prière. Priez jusqu'au bout. Demeurez là. Persévérez. C'est la vie éternelle. Vous êtes les héritiers de cette promesse. Et restez là et regardez Satan. Et dites-lui, tu es celui qui nous a dérobé toutes tes promesses. Je viens contre toi pour entrer en possession de tout ce qui m'appartient au nom du Seigneur Jésus-Christ qui mourut pour moi. Restitue tout. Quitte de mon chemin. C'est seulement comme ça que le Saint-Esprit viendra. Il vient sur vous et alors quelque chose se passera. Qu'est-ce que c'est? Dieu confirme qu'il garde sa parole qu'il accomplit. Oui, c'est ainsi, bien sûr. Et si
La parole vous a été confirmée que vous êtes sauvé et que vous avez reçu le Saint-Esprit. Comme avec Abraham, alors vous avez la victoire. Vous allez de l'avant avec cette victoire. La foi ancrée dans la parole. Tout ce qui était perdu a été restitué. Est revenu avec Abraham. C'était une marche de victoire. C'est la même chose avec vous. Un triomphe. Si vous n'avez pas encore la vie éternelle, demandez Dieu. Demandez à Dieu. Confessez vos péchés. Croyez au Fils de Dieu. Et recevez la vie éternelle et soyez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu a préparé toutes ces choses pour vous. Amen. Recevez-le. Cela vous appartient. Oui, c'est notre triomphe, c'est notre marche de victoire. Et alors, vous aimez tous les frères. Alors, tout est passé. La jalousie, la haine, tout est passé, tout est ôté. Alors, vous aimez, vous louez, vous exaltez. Vous adorez Dieu sans considérer ce que quelqu'un pourrait dire de vous. Ça, c'est votre victoire, c'est votre marche de victoire. Tout est restitué. Qui vint pour le rencontrer? Melchisédek. Melchisédek vint pour le rencontrer après que sa parole lui était confirmée pour lui. C'était Melchisédek qui lui avait donné la parole. Et il avait placé sa foi dans la parole. Et il a reçu la victoire. Et maintenant, il avait communion avec celui qui lui avait donné la promesse. Oh, vous aussi, vous allez expérimenter la même chose. La parole va devenir nouvelle pour vous. Après que vous ayez reçu le baptême authentique du Saint-Esprit. Vous voyez, vous dites, mais je ne crois pas en ces choses. Je ne crois pas à louer, à exalter. Je ne crois pas au parler en langue. Je ne crois pas à toutes ces choses. Ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu. Vous dites, je ne crois pas à la guérison. Oh, si vous aviez reçu la victoire, alors vous avez ces choses. Vous auriez vraiment eu ces choses. Alors vous pouvez aller de l'avant dans la foi et louer et exalter le Seigneur. Vous voyez, auparavant, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est danser dans l'esprit? Et j'ai vu les deux choses. J'ai vu ce qui est vrai, authentique, et ce qui est imitation et fait pour moquerie. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est qui fait en sorte que ces gens-là dansent dans l'esprit? Et j'ai jamais vu que quelqu'un, en dansant dans l'esprit, se serait comporté de manière immorale. Mais c'était avec amour et avec de manière décente. Et je voyais que des pécheurs venaient à l'autel et confessaient leurs péchés et étaient sauvés. Pendant que cela se passait. Et j'ai remarqué que c'est de la victoire. C'est la victoire. David dansait aussi devant le Seigneur, devant l'arche. Alors que l'arche de l'Alliance est revenue dans sa position. Amen. Oh, quand David vit que la parole était ramenée dans l'endroit où elle a sa place d'être, alors David a exalté et a dansé dans l'esprit autour de l'arche. Pourquoi? Parce qu'il voyait la parole revenir dans son endroit voulu de Dieu. Oh! Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un séminaire ou bien d'une théologie ou bien de quoi que ce soit, mais d'un prédicateur envoyé réellement par Dieu qui est devant la chair et qui prêche la parole authentique qui a été confirmée. Et comme David autrefois, David a donné l'honneur à Dieu. Et autrefois, c'était la fille du roi qui était sa femme, mais qui était un peu, cela ne lui a pas plu. Oh, qu'est-ce que c'était? Vous voyez, elle a regardé de la fenêtre et elle a méprisé David. Mais Dieu a vu et a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu tout son orgueil, David. Il a abandonné tout, méprisé tout. Quoi qu'il était marié avec la fille du roi, il ne regardait pas ces choses. Il ne regardait pas cette position. Il a donné la gloire et l'honneur au propriétaire du ciel et de la terre. David était un homme joyeux. Mais quand il vit cela, Myriam, à l'époque,
avait joué du tambourin. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ses adversaires avaient été, n'est-ce pas, engloutis par la mer. Et alors la victoire a pu être chantée et louée. Et elle a dansé dans l'esprit. Bon. Et a donné l'honneur à Dieu. Après que la victoire vint et que le combat était gagné, on a donné l'honneur à Dieu dans la joie. Alors nous constatons que Dieu confirmait ses promesses. Et Melchisédek vint et a béni Abraham et a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. La promesse est croyante. Vous dites, mais qu'est-ce que nous avons à faire avec cela? Toutes les promesses nous appartiennent. La vie éternelle. Et ensuite, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. Tous ces fruits de l'esprit, la guérison divine. Toutes autres choses vous appartiennent. Ça vous appartient. Vous le possédez, ça vous appartient. Mais vous ne pouvez pas l'avoir jusqu'à que vous combattez pour le recevoir. Cela vous appartient déjà, c'est vrai. Tout vous appartient. Tout vous appartient. Bien sûr. Les choses présentes et les choses à venir. Dieu l'a donné en Christ. Dieu l'a donné en Christ. Les choses invisibles vous appartiennent. Amen. Nous appartient. Vous voyez ce que vous pouvez voir. La guérison divine. Bon. Nous estimons cela, mais aussi les choses invisibles nous appartiennent aussi. La science, elle peut dire, oh, nous voulons prendre cette personne. On dit qu'elle a été guérie. Bon, on va voir ce qui s'est passé avec elle. Et on dit, bon, tu avais une tumeur. Bon, et ça nous voulons maintenant l'observer de manière scientifique et voir si cela n'est pas seulement comme ça, peut-être caché. Et que c'est peut-être encore là. On veut vraiment voir si tu as vraiment disparu. Et toi, tu étais aveugle. On va voir comment est-ce que la science le juge. Vous voyez? La science fait sa part. Mais nous sommes héritiers de tout. Des choses visibles et des choses invisibles. Aussi de ce qui ne peut pas être jugé de manière scientifique. Amen. Même les choses invisibles nous appartiennent aussi aux croyants. Nous sommes héritiers de toutes ces choses. De ce qu'on peut voir, de ce qu'on ne peut pas voir. Vous voyez? Vous êtes héritiers. Nous sommes héritiers. Chaque croyant est héritier. Est un héritier. Des choses visibles et des choses invisibles. Du ciel et de la terre. Amen. Tout, de tout. Est-ce que vous le croyez? Vous dites, frère Branham, même si je ne peux pas encore le voir, mais cela m'appartient malgré tout. Le ciel m'appartient. Tout m'appartient. C'est Dieu qui le dit. Et vous dites, mais tu ne l'as jamais encore vu. Comment est-ce que tu sais que cela existe? Comment est-ce que tu sais que tu es héritier? Je le crois. Je crois sa parole. Et vous dites, et vous êtes héritier avec moi, car nous sommes ensemble héritiers de Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, ici dans notre texte adressé aux Corinthiens, Paul le dit, que nous sommes, que nous dominons même sur la mort. Elle doit nous être soumise. Oh gloire! J'ai maintenant oublié complètement l'explosion qu'a eu lieu par l'explosion par le revolver. J'aurais pu perdre ma vie, mais ce n'était pas encore le temps. Dieu n'était pas encore prêt. Vous voyez? Oh, amen. Gloire. Gloire. J'avais ainsi réglé mes fautes alors que je suis devenu croyant au Seigneur Jésus-Christ. Mort. Tu dois maintenant écouter ce que nous disons, pas ce que toi tu veux nous dire. Amen. Bien sûr que Paul dit, nous sommes en possession de toutes choses. Mort, nous dominons sur toi. Paul pouvait dire, mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Montre-moi où est-ce que tu peux me faire peur.
Oh, il peut peut-être un peu vous mettre au coin. Non, non, ne vous inquiétez pas. Non, Paul dit, gloire à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Sur la mort, sur le diable, sur la tombe. Tout, il a vaincu tout pour nous. Nous possédons, nous le possédons. Tel que Josué et Caleb. Ils ont apporté la preuve. Ils sont revenus avec la preuve. Un pays qu'ils n'avaient jamais vu, mais qui par la promesse leur avait été donnée. Josué et Caleb ont ramené la preuve qu'un tel pays existe tel que Dieu l'a décrit. Ils avaient ici la promesse. Dieu leur avait donné la promesse. Mais ils avaient jamais encore vu le pays. Même Josué et Caleb sont allés dans le pays de la promesse, sont passés dans le pays de la promesse et sont revenus avec la preuve que le pays existe et que c'est un bon pays, tel que l'Éternel l'a dit, qui coule de miel et de lait. Amen. Qui déborde de lait et de miel. Amen. Qu'est-ce que c'était? Ils vont entrer en possession de ce pays car la promesse leur a dit ces choses. Ils étaient maintenant au Jourdain et Josué est passé et a ramené la preuve. Vous savez, Josué était avec le peuple d'Israël. Josué veut dire sauveur. Vous voyez? Et la même chose a été faite par Jésus pour l'Église. Vous voyez? Jésus mourut, mais il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la tombe. Il est ressuscité avec la preuve, c'est-à-dire avec le baptême du Saint-Esprit, qu'un pays est de l'autre côté du fleuve. Oh, glorieux et beau. Amen. Il revint et il nous a ramené la preuve. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu arrêtes de mentir, de voler, de boire, de maudire, de vivre de manière immorale. Tu arrêtes tout. Tu deviens une nouvelle création. Tout meurt. Car vous étiez morts dans le péché et dans la transgression. Mais maintenant, vous êtes rendus vivants en Jésus-Christ selon la promesse. Amen. Bien sûr, héritier selon la promesse. Tout nous appartient. Tout le pays. Comment est-ce que tu le sais? Josué, notre sauveur, est ressuscité des morts et a ramené la victoire du Saint, la preuve du Saint-Esprit. Amen. Nous l'avons. Oh, gloire. Nous sommes héritiers du roi. Nous sommes enfants du roi. Tout nous appartient. C'est ainsi que la Bible le dit. Le même Dieu qui avait donné à Israël la promesse et que cette promesse était pour le pays de la promesse, le même Dieu nous a donné la vie éternelle et nous a donné le Saint-Esprit. Christ vit. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Et nous sommes donnés entièrement à lui. Amen. Vous voyez, j'étais assis là-bas, sur ce banc, là-bas haut, à l'exercice de tir, et Satan aurait pu ôter ma vie. Mais Dieu ne l'a pas permis. Amen. Vous voyez, souvent, il est venu contre moi, mais il est reparti avec les mains vides. Amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu a promis ces choses. La parole de Dieu est oui et amen. Elle contient les promesses de Dieu. Croyez les promesses de Dieu. Croyez, nous sommes héritiers. Je suis héritier de la guérison divine. Héritier aussi de la joie. Et nous sommes heureux et joyeux. Je suis héritier de la guérison divine. Héritier de la joie. Je suis heureux. Tout m'appartient. Amen. Héritier de la promesse, héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Héritier du Saint-Esprit. Amen. Je suis héritier de chaque preuve. Amen. Par la parole de Dieu. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Je ne l'ai pas fait, c'est lui qui l'a conduit ainsi. Nous tous, nous sommes héritiers des mêmes choses. Héritier du trône, car celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône, tel que j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père.
Vous voyez, tout nous appartient. Tout nous appartient. Tout est sous vos pieds. Même la mort, la tombe, tout. Tout est sous vos pieds. Le péché, tout est sous vos pieds. Vous êtes héritier. Vous êtes mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez reçu la vie éternelle et vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous pouvez nous appeler comme vous voulez, nous insulter et dire que nous sommes insensés et fanatiques, mais nous sommes héritiers, héritiers de tout. Êtes-vous un héritier dans le tabernacle, tabernacle, nous sommes héritiers de tout. Quoi que vous dites, des choses présentées à venir, tout nous appartient. Vous voyez, il est ressuscité ce jour de Pâques, vaincu la mort, l'enfer et le diable. Vous voyez, et il a dit, je vous donne la promesse et vous êtes ceux-là. À qui elle appartient? Et à tout ce que le Père n'appellera en plus grand nombre. Amen. Héritier. Héritier. Jésus, par sa résurrection, nous l'a prouvé. Nous sommes sur ce sol de combat entre la vie et la mort. Vous dites, je suis un pécheur, frère Branham. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous l'êtes parce que vous voulez l'être. Vous dites, frère Branham, je veux avoir de la joie. Vous pouvez l'avoir. Ne vous laissez pas tromper et dérober par Satan tous ses droits et ses privilèges. Nous sommes héritiers de tout. Tout m'appartient. Toutes les choses pour lesquelles il mourut t'appartiennent et m'appartiennent. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses héritiers. Il mourut pour cela justement. Pour que tout cela nous appartienne. Et si nous venons sur ce sol de la foi, et alors il est dit, le baptême de cet esprit n'existe plus. Et moi je vous le dis, personne ne peut me dire autre chose que la Bible dit. Car je suis héritier. J'ai expérimenté mon héritage. J'ai expérimenté ces choses. Et je viens pour le réclamer. Levez-vous. Même si vous êtes pécheur, venez au Seigneur. Vous voyez, vous devez vous élever. Vous devez vous lever et venez au Seigneur. Sinon, vous resterez là où vous êtes. Et si vous dites que, oh, je n'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu m'accordes le véritable, authentique baptême du Saint-Esprit. Et si je dois mettre quelque chose en ordre d'abord, je viens et je le mets en ordre. Et si Satan vient et se tient en chemin, dites Satan, rien de moi, sors, quitte mon chemin. Quand nous sommes héritiers de tout, héritiers de la vie éternelle, héritiers de la guérison divine, héritiers du salut, héritiers rachetés, affranchis par Dieu lui-même, nés par son esprit, lavés dans son sang. Oh, ça, c'est mon cantique, c'est mon histoire, pour son honneur, le louer toute ma vie, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Seigneur, un salut parfait, un repos stable parfait, lui mon sauveur qui a béni, qui nous a béni et qui veille sur nous et qui nous accorde tout et qui nous remplit, alléluia, et c'est-à-dire de son amour, c'est-à-dire du salut. Le salut nous appartient, c'est un don gratuit, c'est un cadeau, je suis héritier du salut. Salut pour mon âme, salut pour mon corps, salut pour mes soucis, salut pour tout. Dieu m'a rendu héritier de tout, et cela par Jésus-Christ qui mourut et qui, par sa résurrection, a apporté la preuve et a déversé son esprit sur nous. Amen. Gloire. Alors vous allez là-bas et vous faites ce que Abraham a fait. Vous allez avec la promesse. Dieu, tu me l'as dit, que tu m'as dit que cela m'appartient. Et j'ai la foi dans ta promesse. Je t'apporte ta parole. C'est toi qui l'as promis de cette manière. Et tu as dit, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Cherchez et cela, cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Me voici, Seigneur. Je suis ici. Je frappe, je cherche et je demande. Je dois le recevoir. Et voilà le point. Oh, si vous avez cette parole et que vous avez le soutien là-dessus, en tant que base, si Satan vient et dit, il est écrit. Alors dites, il est aussi
écrire. Et alors il doit s'enfuir. Vous voyez? Vous pouvez vaincre. Oui. Comment est-ce que vous pourrez vaincre? Quelqu'un a vaincu pour vous, Christ. Vous êtes héritier de tout ce qu'il a accompli, héritier de la promesse. Et alors, vous placez votre foi dans sa promesse. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le comprenez? Vous dites, frère Branham, es-tu digne? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre est digne? Est-ce qu'un archevêque est digne? Non. Est-ce qu'un homme quelconque serait digne? Non. Alors quoi? Vous êtes héritier. Malgré tout. Et même si vous seriez le plus grand, la plus bonne personne qui se saoule dans la ville et que votre père serait un millionnaire, son héritage vous appartient malgré tout, même si vous êtes quelqu'un qui boit et qui se saoule, vous êtes malgré tout héritier de votre père, de ce que votre père, de ce qui vous laisse. Et vous en êtes héritier, vous voyez. Il nous l'a laissé à toi et à moi, notre Père Céleste. J'étais un pécheur, mais je suis héritier. J'étais pas bon, il n'y avait rien de bon en moi, et encore, il n'y a rien de bon en moi, mais malgré tout, je suis héritier. J'aurais dû mourir et aller en enfer, mais je suis héritier, et j'ai reçu la vie éternelle. Comment est-ce que vous le savez, que vous l'avez reçu? Je ressens cela, je le sais, Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'a apporté la preuve. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Vous voyez, et vous êtes passé de la mort à la vie. Il l'a confirmé. Vous êtes devenu une nouvelle création par Jésus-Christ. Vous êtes héritier. Maintenant, vous êtes sur la marche de la victoire. Amen. Les rois, les adversaires ont été frappés. Ils sont vaincus, comme autrefois. Myriam pouvait chanter. Autrefois, les adversaires ont été engloutis, ensevelis par la mer, et le Seigneur les a vaincus tous. Et notre nom est écrit dans son livre. Scellé avec lui, un nouveau nom reçu. Et nous lui appartenons pour toujours. Amen. Nous sommes héritiers de toutes choses. Vous voyez avec Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Le pays lui appartenait. Vous voyez, regardez. Regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tout appartient. Tu es dans un pays étranger, mais je vais te rendre héritier de lui. À toi et à ta descendance pour toujours. Vous voyez, Abraham, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Seulement de placer sa foi dans la promesse. Et ensuite, d'agir selon ce qu'il croit. Oh! Si le moment arrive, alors prenez la parole de la promesse et mettez-vous en marche. Et Dieu lui va combattre pour vous et va frapper l'adversaire. Abraham revint, tout était passé. Maintenant il pouvait louer et exalter. Oh, j'entends Abraham louer et exalter, louer le Seigneur. Vous voyez, Abraham, qui vint à sa rencontre? Melchisédek, roi de Salem. Vous voyez? Après que la victoire avait été passée, ils se sont assis et ils ont pris du pain et du vin. Le roi a apporté du vin et du pain. Quand est-ce que cela s'est passé? Après la victoire, après la bataille, après que la victoire fut manifestée, alors, ils pouvaient s'asseoir et avoir communion et tenir le repas, le souper. Et ça, Dieu veut le faire aujourd'hui, ce soir, avec ses enfants. Qu'est-ce qui se passe avec vous, ici? Qu'est-ce qui se passe avec toi, frère Branham, avec l'Église? Nous sommes la semence d'Abraham, n'est-ce pas? Nous sommes la semence royale d'Abraham, selon la promesse, et cela par Jésus-Christ. Nous sommes la semence d'Abraham, nous le sommes devenus, et cela par Jésus-Christ. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Abraham était l'héritier avec les héritiers. Et c'est ainsi que vous l'êtes aussi. Est-ce que vous le voyez? Vous êtes avec Jésus-Christ, la semence royale. Ça, c'était Christ, il était la semence. Et vous êtes héritier avec lui. L'héritier, lui l'héritier. Co-héritier sommes-nous. Et avant que le Fils vienne, Dieu l'a envoyé. Et il vint. Et il a payé le prix pour le péché. Et c'est ainsi qu'il a payé le prix avec sa mort.
Vous voyez, toute la méchanceté de l'adversaire est sortie de nous. Cette nature satanique est sortie de nous. Gloire à Dieu. Nous avons vaincu. Nous avons la position de vainqueur. Car il a vaincu pour nous. Combien ont déjà vaincu ce soir? Combien sont déjà vainqueurs ce soir? Levez vos mains. Par la grâce de Dieu. Combien croient à la victoire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons avoir une heure de consécration. Une heure de consécration. Un service de consécration. Combien veulent lever leurs mains? Je veux lever les deux mains, les deux bras. Je veux que ma vie parle pour Christ. Je veux, d'une manière nouvelle, me consacrer à lui. Je veux que sa volonté par moi se fasse, sa parfaite volonté. Et que ma volonté soit mise de côté entièrement et disparaisse. Je veux marcher le chemin de la victoire. Marcher le chemin de la victoire. Car je sais que cet évangile, aujourd'hui, est prêché de manière authentique comme autrefois. Et cela dans la même puissance, dans sa même puissance, par le Saint-Esprit qui est envoyé du ciel. Tel qu'il a été prêché au commencement. Encore, il y a des organisations, il y a des dénominations, il y a encore des doctrines et des dogmes humains. Mais Dieu, lui, il va conduire les choses ainsi, que malgré tout ce désordre, sa parole, elle est luira. Et l'épée de l'Esprit à deux tranchants va frayer le chemin à son peuple. Nous voulons nous lever et nous consacrer d'une manière nouvelle au Seigneur. Chacun de sa propre manière. Nous voulons nous consacrer au Seigneur et lever nos mains. Nous voulons courber les têtes et prier à Dieu. Notre Père Céleste, nous nous consacrons à toi ce soir. Et nous savons que tu sais toutes choses. Et nous savons que nous sommes héritiers de tout. Car tu l'as promis, Seigneur Jésus, nous ne sommes pas capables de le faire, si ce n'est que nous nous consacrons entièrement à toi et que notre foi soit ancrée, nous la plaçons dans tes promesses. Car tu as dit dans la Bible que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et ne viendra pas au jugement, à la condamnation du jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a reçu la vie, il a la vie éternelle. Et c'est ainsi que je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est ta promesse. Ça, nous le croyons. C'est ainsi que tu l'as dit. Seigneur, notre Dieu, oh, Esprit Saint, souffle parmi nous, agis parmi nous et en nous. Esprit du Dieu vivant, agrée-nous au nom du Christ Jésus. Purifie-moi, forme-moi, transforme-moi. Forme-moi à l'image du Fils de Dieu. Prends-moi entièrement, je t'appartiens. Je te remets cette église, cette assemblée, ces âmes et avec la mienne. Forme-nous, prépare-nous, transforme-nous. Donne-nous d'oublier nos propres chemins de péché et d'incrédulité et de revenir à la foi en toi et à tes promesses. Et c'est ainsi que tu nous conduiras de victoire en victoire, car tu l'as promis. Satan ne peut pas nous nuire, seulement ce que tu lui permets de faire. Sinon, il ne peut rire, pas nous toucher. Il vint contre Job autrefois et tu as dit qu'il n'a pas le droit de toucher à la vie de son âme, à sa vie. Oh, ta promesse était autrefois à Job et aujourd'hui elle est à nous. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu es avec les tiens et tu les gardes. Nous avons reçu la vérité et nous nous consacrons à toi. Voici nos âmes pécheurs. Nous nous confessons devant toi en tant que tel. Agrée-nous, ô Seigneur Jésus. Montre-nous là où nous avons manqué et là où nous sommes faux pour que nous puissions vraiment avec dignité, prendre le souper du Seigneur et que nous ayons communion avec toi de cœur. Autrefois, tout ce qui s'est passé, nous te l'apportons, Seigneur. Chaque parole, tout ce qui n'était pas correct, nous t'apportons cela sous l'autel. Fais-nous grâce. Fais avec nous, avec moi, comme tu le veux, avec nous tous. Nous nous prosternons devant toi. Je peux que parler pour moi, mais je crois que eux aussi, ici présents tous, ils te consacrent leur vie. Fais avec eux comme cela t'est agréable. Nous sommes héritiers car nous sommes en Jésus-Christ. Tant que nous demeurons en lui, nous sommes héritiers avec lui.
tant que nous demeurons en lui, nous sommes héritiers avec lui. Guéris les malades parmi nous, Seigneur, et que tu puisses rendre toutes choses bien et réparer les dégâts. S'il y a quelqu'un qui est malade ici, que tu puisses guérir les âmes malades, les âmes boiteuses, qui puissent marcher droit, que les genoux qui sont faibles, qui fléchissent, qui tremblent, qui puissent être affermis, que tout ce qui est tordu puisse être redressé et qu'il y ait un chemin frayé pour Dieu dans le désert. Oh Seigneur, l'appel retentit aussi maintenant dans le désert de redresser tout. Oh, toutes les dénominations, toute cette racine d'amertume, tout est ôté. Toute la méchanceté est ôtée. Tu nous as accordé ta parole et nous nous donnons à toi, Père. Sois avec nous. Avant ce souper du Seigneur, nous nous consacrons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Pensa veut qu'on prie, a besoin de prière. Elle souffre corporellement. Elle parle maintenant avec frère Branham. Prions. Père Céleste, cette vieille femme sainte, tu vois comment est-ce qu'elle est courbée. Et elle est une boiteuse aussi. Tu vois comment elle est une fille d'Abraham qui autrefois comme Osava aussi, comme cette femme qui voulait être guérie. Voilà, elle est ici et ses amis aussi sont ici. Nous venons à toi ensemble. Et nous te demandons que tu puisses lui faire grâce. Elle est sur le chemin qui mène au ciel, Seigneur. Que tu puisses le faire pour un témoignage vivant. Nous nous tenons là, ici, et nous te demandons que tu puisses bénir. Autrefois, tu, avec le revolver, tu as veillé sur moi, Seigneur bien-aimé. Tu mourus à Golgotha et tu as accompli toutes choses. Et notre foi est ancrée en toi, Christ Jésus. Nous venons et nous imposons cette sœur, nous imposons à cette sœur notre main et nous condamnons la maladie et que tout s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est en ordre. Ma foi regarde à toi, toi, agneau de Golgotha. Sauveur divin. Nun, exauce-moi pendant que je prie. Nimm all meine Sünden hinweg. Ôte tous mes péchés. Lass mich nie et que jamais je puisse de nouveau m'égarer. Von de ton côté. Écoutez, chantez avec moi. Pendant que les ténèbres sont sur le chemin de la vie et que beaucoup de douleurs s'élargissent autour de moi, sois celui qui me conduit. Ordonne que les ténèbres se transforment en jour. Essuie toutes les larmes des soucis et que je puisse à partir de ce jour être quotidiennement quelqu'un qui t'appartient. De la profondeur de votre cœur, Dieu le sait. De la profondeur de votre cœur, croyez-vous réellement? Et vous pouvez vous dire, à partir de ce jour, donne-moi d'être entièrement ton appartenance. Prions, chantons encore ce cœur. À partir de ce jour, que je puisse entièrement t'appartenir. Que je puisse plus jamais m'égarer loin de toi. Maintenant, ensemble, nous voulons prier.
Ô grand berger des brebis, grand pasteur, tu nous as enseigné de prier ainsi. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et qu'on ne nous conduit pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartient la gloire, la puissance. Amen. Pour toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et il y en a qui demandent aussi de la prière pour l'enfant de la sœur Chebest. Et cela vient de me venir dans la pensée. Nous avions eu une interview et on disait que la fille est malade et a de la fièvre. Et sûrement que c'est le virus qui en ce moment est propagé partout. Ici, et même les muscles de cette petite souffrent. C'est un virus qui un peu comme une épidémie, est partout en ce moment. D'abord, il a été dit que l'enfant ne s'améliore pas, son état ne s'améliore pas, et ensuite, on a entendu que ça s'est amélioré. Ok. Alors, nous voulons être humbles et remercier le Seigneur. Seigneur Jésus, je ne sais pas quel âge a cet enfant, mais c'est l'un des enfants de notre sœur et frère Chebet. Tu leur as accordé cet enfant et nous te prions, bénis l'enfant, garde l'enfant, et nous réclamons aujourd'hui, après ce message, nous réclamons l'enfant pour l'honneur de Dieu, selon la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que la maladie puisse disparaître et que l'enfant soit délivré et que l'enfant soit guéri entièrement. Cela a été prononcé et que cela se passe ainsi aussi tel que ça a été prononcé. Amen. Croyez simplement. Si nous mettons notre confiance et ne doutons jamais dans le Seigneur, alors sûrement qu'il nous conduira à sortir. Apportez vos fardeaux au Seigneur et laissez-les là-bas. Oh, laissez-les là-bas. Prenez vos fardeaux, amenez-les au Seigneur. Apportez-les au Seigneur et laissez-les là-bas. Si vous mettez votre confiance et ne doutez jamais au Seigneur, il vous conduira à sortir de cet état, sûrement. Apportez-lui vos fardeaux et laissez-les là-bas. Tout ce que vous avez besoin de faire encore. Si votre corps s'écroule de douleur et que votre santé n'est plus à votre disposition et cela semble que Dieu n'exauce plus les prières du ciel, écoutez, il vous exaucera, il sauvera, guérira et délivrera. Apportez vos prières au Seigneur et laissez-les là-bas. Laissez-les là-bas. Et maintenant, nous serrons les mains les uns les autres et chantons ce chœur, ce cantique. Laissez-les là-bas. Apportez-les au Seigneur et laissez-les là-bas. Si nous mettons notre confiance en lui et nous ne doutons pas, il nous fera sûrement sortir de cet état. Apportez vos prières au Seigneur et laissez-les là-bas. Oh, n'est-il pas merveilleux? Bon. Avec notre confession de notre foi et nos péchés confessés,
Nous croyons que tous nos péchés ont été jetés dans, et sont dans la mer de l'oubli. Lui, celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle de lui les pardonner. Ils sont dans la mer du sang de Jésus. Jamais plus, plus jamais, il s'en souviendra. Ou bien alors, oui, il s'en souviendra. Nous voulons, par exemple, nous donner un exemple. Une femme a un grand bassin avec un décolorant. Et si dans ce décolorant, on met une goutte, on laisse tomber une goutte d'encre, est-ce que cette encre serait encore à trouver, cette goutte d'encre? Comment est-ce que vous pourrez retrouver la goutte d'encre? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'encre? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'encre qui est tombée dans ce décolorant, qui est tellement fort, de manière que même la couleur de l'encre s'est dissous et n'existe plus, a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, ça a été ôté, ça a disparu éternellement pour toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? L'encre est devenue un décolorant, c'est décomposé, c'est dissous, et c'est ainsi avec tous ceux qui ont confessé leurs péchés au Seigneur. Ils ont été délivrés et détachés de cette nature et on ne peut plus penser au péché. Il y a quelqu'un qui m'appelle de mon nom. Oh, gloire au Seigneur. Oui, gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Oui, cette âme humble là-bas, le Seigneur l'a touché. Il est un grand sacrificateur qui a de la compassion avec notre faiblesse et qui peut être touché. Vous voyez, chaque parole est ancrée, est sûre, est certaine, est un ancre. Que votre foi soit ancrée en elle, dans chaque parole. Ne bougez pas. Acceptez, remettez tout au Seigneur et demeurez dans sa parole. Mourez à vous-même et à vos pensées. Et dites, Seigneur, parce que je pense, mais c'est ta parole, telle comme Abel, autrefois mourut avec son sacrifice. Vous voyez, c'est simple. Satan, pas nous, Satan, essaye toujours de rendre les choses difficiles et compliquées. Et les incroyants ne croient pas et disent, ça c'était seulement autrefois valable. Mais pour nous qui croyons, c'est quelque chose de précieux et valable aujourd'hui, comme autrefois, cela a été décrit. Pour nous, le Seigneur est une pierre précieuse. Et il est la pierre de l'angle. Vous voyez, la pierre angulaire. Celui qui touche cette pierre, ce roc, ce rocher, il est guéri, c'est ainsi. Amen. Sommes-nous pas reconnaissants au Seigneur? Je suis tellement heureux de ce que le Seigneur est Dieu. Amen. Heureux de ce qu'il est un Père plein d'amour, miséricordieux. Il confirme sa parole, garde son alliance. Il n'oublie jamais ce qu'il a promis. Il doit toujours garder sa parole et l'accomplir, car il est le puits de toute vérité. La source, il ne peut rien être d'autre que de manifester les vérités sans mélange, la parole de Dieu. Et ça, c'est sa parole. Elle est infaillible. Oh, que Dieu, ma foi, soit ancrée dans cette parole. Pour que cette parole devienne infaillible, telle que la parole est infaillible. Et les choses qui sont écrites dans la parole et qui nous ont été promises se passent de manière infaillible aussi. Purifie-moi, sanctifie-moi, protège-moi, garde-moi, bénis-moi et accorde-moi ta miséricorde, c'est ma prière, oh Dieu. Amen. Bon. Je vais lire de la parole dans 1 Corinthiens 11 à partir de verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit
et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Bon, Jésus nous a donné cet ordre avant d'aller dans la mort. Les disciples se sont demandé toujours de quoi est-ce qu'il a parlé. Il disait, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites-le, comme il est dit ici, de même après avoir soupé. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous annoncez la mort du Seigneur. Oh, comme parole merveilleuse. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Les disciples se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Comment est-ce que cela peut se passer? Autrefois, c'était encore un mystère pour eux. Ce n'est pas lui, mais c'était Dieu. Et il est Dieu. Vous voyez? Et quand vous venez ensemble pour manger, alors s'il vous plaît, faites attention. Car celui qui vient et qui dit qu'il est Christ chrétien, et qui sort après le souper du Seigneur, après les réunions, et vit comme il veut dans le monde, etc. Vous méprisez Dieu et vous le déshonorez. Et vous déshonorez Christ. Et vous accumulez du jugement sur vous et du châtiment. Mais si vous confessez tout et que vous vivez correctement, en accord avec la parole, et que vous montrez que vous êtes vraiment de vrais chrétiens authentiques et que vous aimez Christ, alors c'est votre devoir de prendre part au souper. Je crois que dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus lui-même disait, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Ça, c'est la promesse. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Je vais le ressusciter. Avez-vous déjà pensé à cela? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous allez à l'école? Vous, enfant, pourquoi est-ce que tu travailles, papa? Pourquoi est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais, mère, avec les enfants? Tu leur prépares le petit déjeuner, le déjeuner, tu fais tout dans la maison, etc., le nettoyage et tout. Pourquoi est-ce que vous faites tout cela? Pourquoi est-ce que tout cela se passe? Et vous, vous travaillez, etc. Vous combattez et vous avez des soucis. Et vous priez et vous pleurez, vous venez à l'église. Et toujours de nouveau et à chaque fois d'une manière nouvelle, vous venez régulièrement. Pourquoi est-ce que cela se passe? Pourquoi? Vous vous examinez toujours de nouveau et vous savez quelle occasion vous pouvez avoir. Vous savez qu'un jour vous allez devoir quitter cette terre. Oh frère, ici c'est le temps de l'épreuve, de l'examen. C'est l'occasion, c'est le temps d'occasion. L'occasion de recevoir, et c'est-à-dire de recevoir ces choses. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui pourrait occuper la place du Seigneur? Dites-moi quelque chose de plus important dans votre vie en dehors du Seigneur. D'être roi du monde, d'appartenir au Seigneur et de posséder le monde entier. Qu'est-ce que vous pourriez être de mieux? Un Kennedy ou bien un Khrushchev? Ils vont tous mourir. Et personne ne sait quand est-ce que cela se passera. Personne ne sait quand est-ce que cela se passera. Cela peut avoir lieu dans un moment ou un autre. Mais alors, vous aurez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle si vous passez de cette mort, de cette vie à l'au-delà. Mais vous avez la vie éternelle et vous ne pouvez plus mourir. Vous êtes en possession de toutes choses.
au ciel et sur la terre. C'est ainsi que vous ressusciterez. Oh, aide-moi dans mon incrédulité. Bénis, remplis mon âme. Sanctifie-moi, remplis-moi. Et ensuite, envoie-moi. Que je puisse mourir. Pas mourir, mais mourir à moi, je veux dire. Mourir à moi, mais pour vivre. Et que cette histoire, je puisse la raconter au monde entier. Et l'évangile, je puisse le prêcher partout sur les rues, au coin des rues. Et rendre témoignage. Et rapporter la moisson, la récolte. Et ainsi, prêcher la véritable parole de Dieu sans mélange, sans pensée humaine mélangée. Vrai, en tant que vrai chrétien, croire seulement les Écritures. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous allons ici prendre la communion. Pas ici la communion, non, je veux dire le souper en tant que communion, le souper n'est pas ici seulement du pain et du vin, mais c'est d'avoir communion avec le Seigneur et les gens avec les autres. Ce sont seulement des symboles que nous utilisons, qui parlent de sa mort et de sa résurrection. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit parmi nous, et nous croyons qu'il nous a donné la vie éternelle, et que nous ne pouvons pas mourir. Nous allons ressusciter et être ensemble dans la résurrection pour toujours avec Christ, unis. Et c'est ainsi que nous confessons nos péchés, et nous confessons aussi que nous croyons au sacrifice apporté, et que notre foi est ancrée en lui, et que nous annonçons sa mort jusqu'à qu'il revienne. Jésus disait, ceci est mon corps pour vous, rompu pour vous, pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Notre Père Céleste, après que nous ayons confessé nos péchés, ici, et aussi que nous confessons ta parole, et que nous t'avons témoigné que nous sommes indignes, et que c'est seulement par la dignité du Fils de Dieu, c'est en lui que nous mettons notre confiance dans sa dignité. Nous sommes des faibles créatures, pardonne-nous. Et maintenant nous venons dans la foi à la table du Seigneur. Et pendant que nous présentons ce pain est présenté, et le corps et qui représente le corps du Seigneur, je te prie Père, que tu puisses le sanctifier pour l'objectif pour lequel il est déterminé. Et tous ceux qui prendront part à ce souper, qu'ils puissent dans leur âme avoir la vie éternelle. Et que tous ceux qui prennent ce pain, ce souper, qu'ils puissent expérimenter dans leur corps la guérison et te servir tous les jours de leur vie et ressusciter dans la résurrection avec tous les rachetés par le sang qui vont apparaître dans la résurrection. Nous te demandons dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il prit aussi la coupe et dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Aussi longtemps, aussi souvent que vous la prenez, vous témoignez vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. Aussi la coupe. Seigneur, Père Céleste, nous tenons entre nos mains le produit de la vigne, ce vin devant nous, et nous te prions, Père Céleste, que tu puisses sanctifier ce vin. Il représente le sang de Jésus-Christ qui aussi à Golgotha fut répandu pour nous. Nous croyons au sang qui a coulé pour notre péché, pour nos péchés. Nous croyons à l'œuvre accomplie de la rédemption. Pardonne-nous, ô Seigneur, aussi notre incrédulité et accorde-nous de la compréhension et de la foi pour ta parole. Nous sommes tes serviteurs et nous voulons te servir tous les jours de notre vie. Sois avec nous, Père, et unis-nous autour de la table du Seigneur et accorde-nous la communion les uns avec les autres. Oui, sois avec nous et agis encore, continue à agir dans notre vie, dans nos cœurs. Accorde-nous ces choses dans le nom de Jésus-Christ pour l'objectif que tu as déterminé. Amen.